Donc, je vais vous parler du projet Photo Normandie, qui consiste à améliorer la description documentaire d'un fonds de plus de 3000 photos historiques sur la bataille de Normandie, c'est-à-dire pour resituer depuis le débarquement du 6 juin jusqu'à fin août, en gros la libération de Paris fin août 1944. C'est un projet actif sur la plateforme Flickr depuis janvier 2007, donc facile à trouver, photo/photo-normandie. Alors c'est un projet que l'on qualifie très souvent de crowdsourcing, c'est-à-dire où les contenus sont générés par les utilisateurs. On l'appelle également indexation sociale, indexation collaborative, etc. Je me suis arrêté sur un terme un petit peu plus compliqué de redocumentarisation que je vais tenter d'expliquer. Alors, redocumentariser, c'est retraiter un document ou un ensemble de documents de façon à générer de nouvelles descriptions, de nouvelles métadonnées, mais aussi de réarranger et de relier les contenus de ces documents. C'est un terme qui est devenu courant dans le milieu des sciences de l'information et de la documentation depuis 2007, un livre assez célèbre dans ce milieu-là d'un collectif, Roger Pédoc. Alors, présentation succincte de Flickr pour resituer, c'est un site web de partage et de photos, qui annonce 5,8 milliards de photos, mais plus probablement de l'ordre de 4,5 milliards du fait des suppressions. Chaque photo peut être décrite par un titre, une description, des tags, des commentaires, des notes associées à des zones de photos. Et les commentaires sont vus comme des conversations, en fait, sur les photos, et c'est cette fonctionnalité-là qu'on utilise fondamentalement dans le projet. Alors, l'origine des photos, un peu plus de 2700 proviennent de Archives Normandie, qui est un service du Conseil régional de Basse Normandie. Et en fait, ce sont des photos libres de droit qui proviennent des archives nationales des États-Unis et du Canada. Et depuis peu, nous avons signé également un partenariat avec la bibliothèque de Cherbourg-Octeville et nous avons un peu moins de 300 photos, on espère en avoir un peu plus, donc en plus de cette première collection. Alors, il faut quand même comprendre un petit peu comment c'était organisé. La plupart des photos proviennent de l'Army Pictorial Service, qui était un service dirigé et organisé par des professionnels, Daryl Zanuck et Frank Capra, qui a produit, pour ce qui nous concerne, plusieurs milliers de photos et 208 films sur la bataille de Normandie. Alors, on en voit 5 ici, mais ils étaient organisés plutôt par groupe de 4, un photographe, un cinéaste, un chauffeur et un secrétaire qui gérait un petit peu toute l'intendance, collectait les films et rédigeait des légendes, mais quand il avait un petit peu le temps. Donc, ce qui fait qu'on a des légendes qui ne sont pas toujours d'une très grande qualité à l'origine. Ce qui explique aussi qu'une part de notre travail consiste à identifier d'autres photographies et des séquences filmées, puisqu'ils ont travaillé ensemble, photographes et cinéastes. Et on peut se poser la question aussi, pourquoi ces photos et ces films produits par le Signal Corps, qui possèdent donc un lien entre les deux, ont souvent été négligés, parfois même ignorés. À cela, on peut avancer deux raisons, c'est que les pratiques archivistiques dans l'immédiat après-guerre, traiter séparément les deux médias, les photos et les films. Et l'autre explication plausible, c'est qu'il y avait la contrainte des supports de restitution, puisque d'une part on avait le papier, et d'autre part la projection, donc ce qui ne facilitait pas obligatoirement les rapprochements. Donc une part de notre travail, c'est aussi lier ces contenus. Alors, un petit point sur les légendes des photos. On utilise une technique qui s'appelle le standard de métadonnées IPTC. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails, mais l'idée, c'est que, en fait, les descriptions, le titre, la légende, les mots-clés sont inclus dans la photo. C'est un standard extrêmement utilisé dans la presse et dans l'édition. Et ça, on s'appuie ensuite sur une fonctionnalité de Flickr qui est que lorsqu'on télécharge une photo sur Flickr, les métadonnées incluses dans la photo, les métadonnées IPTC, sont transformées en champs Flickr. Donc, les métadonnées, on les saisit par exemple sur un formulaire du type Photoshop, on les envoie sur Flickr et ça nous donne quelque chose comme ça. L'avantage de la méthode de codage des métadonnées dans les photos, c'est que la description textuelle de l'image est toujours disponible avec l'image et elle est facilement réutilisable. L'utilisateur reste libre de la technique de base de données et selon le principe que les données vous appartiennent.
Elles n'appartiennent pas aux prestataires de services, elles n'appartiennent pas à Flickr, et on peut quitter Flickr comme bon nous semble, on aura toujours nos légendes accompagnées de leurs photos. Alors, ce projet est ouvert à tous, on a compté une quarantaine de contributeurs, mais en fait, il y a un noyau dur d'une quinzaine d'intervenants qui participent régulièrement au projet. Alors, on ne se connaît pas dans la vraie vie. Moi, je n'ai rencontré qu'une seule personne parmi les contributeurs, par exemple. C'est une petite communauté qui ont des compétences très diverses, des historiens, des archivistes, des documentalistes, des enseignants. C'est ouvert à tout le monde, on ne demande pas de diplôme d'histoire ou d'archives, bien entendu. On sollicite aussi l'aide de certains habitués sur des forums historiques ou des forums divers qui nous seront utiles. On connaît évidemment tous la période en question et l'histoire de cette période, et pour la plupart, ils sont originaires de la région et ils ont une connaissance locale et familiale des événements. Ça, c'est assez important aussi. En fait, le processus de crowdsourcing, si on l'observe, il est très très différent de celui qu'on connaît bien, par exemple, dans Wikipédia. Une discussion s'établit entre les divers participants, on termine en validant collectivement les modifications, et on observe en fait assez peu de désaccords dans les échanges, simplement des désaccords parfois sur le choix des termes. Et la rédaction est effectuée par une seule personne qui a collecté donc ces informations, qui est Michel Le Quérec, le co-initiateur du projet avec moi. Alors, notre modèle, en fait, est proche de celui de l'astronomie d'amateur, où les astronomes amateurs aident les professionnels pour des tâches ingrates, des tâches répétitives, etc., pour la surveillance d'objets, la découverte de nouveaux objets, etc. Et donc, ce rôle des astronomes amateurs, il est reconnu depuis très longtemps par les professionnels. C'est un rôle modeste, mais qui est utile et qui est reconnu par les professionnels. Et bon, nos légendes sont maintenant reprises dans certains ouvrages spécialisés, et nous avons eu également la satisfaction d'obtenir une distinction de la part d'un archiviste américain l'année dernière sur le projet. Alors maintenant, je vais expliquer un peu comment on procède concernant la recherche d'informations sur les photos. C'est un véritable petit travail d'enquête à chaque fois. Petit clin d'œil. Mais la sagacité ne suffit pas, il faut une vraie méthodologie pour arriver à obtenir des informations. Si on procède sans méthode, on n'obtient rien ou on obtient trop. C'est ce qu'on appelle le silence ou le bruit documentaire. Alors je vais brosser 6 exemples très très rapidement. La première règle élémentaire, c'est d'observer attentivement, scrupuleusement, les images et rechercher des images similaires dans les collections, des séquences d'images. Alors cette image-là, par exemple, voici la légende d'origine, elle était située à Utah Beach, voici la légende actuelle, donc on a restitué la bonne localisation, c'est pas Utah, c'est Omaha, et nous avons également mis en relation d'autres photos et également un film. Voici les autres photos de la séquence et le film, on n'a pas le temps de le passer. Seconde règle élémentaire, c'est compiler les informations, c'est-à-dire toutes les informations qu'on peut trouver concernant la photo, il faut les compiler, les recenser et en faire une nouvelle légende. Alors, des informations dans les magazines, les encyclopédies, le web, tout ce qu'on veut. Cet exemple-là, la légende d'origine était très très succincte, la légende qu'on a actuellement est beaucoup plus évoluée. On a compilé des informations techniques et également des références web et des références magazines. Alors, cette image est également intéressante puisqu'elle est assez rare, elle a été prise à Utah Beach et elle figure sur la droite un code talker, c'est-à-dire un soldat américain amérindien qui faisait les transmissions sur le front dans sa langue, c'est-à-dire en l'occurrence en langue comanche. Alors la recherche inversée d'image, en troisième exemple, il s'agit d'envoyer l'image à un moteur de recherche inversé pour découvrir quelles sont les autres utilisations dans le web de cette image-là et obtenir ainsi des informations. Il existe des moteurs gratuits, il y a Tineye, depuis peu il y a Google Search by Image, et il existe également des logiciels professionnels payants pour faire ça. Alors l'intérêt, c'est que ça présente, on peut démarrer ça immédiatement, il n'y a pas besoin de connaissances particulières sur l'image, on l'envoie et on regarde ce que ça donne.
Cette image-là, par exemple, on l'a envoyée à Tinay, qui nous a donné deux résultats. Le premier résultat, eh bien, ça nous fournit des informations, et en plus de ça, ça devient une nouvelle source d'informations, un site intéressant pour notre projet. Quatrième exemple, eh bien, il faut élargir, c'est-à-dire rechercher, examiner les photos d'autres collections, dans les agences, dans les collections spécialisées, reconsidérer des photos connues, également. Cet exemple-là, cette photo-là, voici la légende telle qu'on est arrivé maintenant, où nous avons identifié le lieutenant-colonel Van der Voort, et sur en bas à droite, nous avons identifié également Robert Capa en train de changer une pellicule de son appareil photo. Alors, il est possible que le colonel Van der Voort ne vous dise pas grand-chose, mais en culture visuelle, on aime bien faire des liens entre la culture savante, en l'occurrence, et l'histoire, et la culture populaire. Et donc, c'est le personnage joué par John Wayne dans Le jour le plus long. Alors, comment nous savons que c'est Robert Capa? D'abord, sa physionomie en bas à droite, donc sa physionomie est tout à fait caractéristique. Et en plus de ça, on a trois photos prises, on sait que ça, c'est des photos prises par Capa, donc tout à fait similaires. On sait qu'il était présent et qu'il a photographié les mêmes sujets. Cinquième exemple, recherche multiple. Eh bien, on étend à d'autres documents que les photos, vers les journaux, les livres, les forums, les rapports, les témoignages, etc. Nous disposons dans la collection de ces trois photos qui sont des prisonnières allemandes restituées par les Américains aux Allemands en juillet 1944. Nous avons retrouvé trois autres photos dans d'autres collections, ce qui nous donne l'indication que l'événement a donc été largement couvert. Et effectivement, on a retrouvé des articles de journaux qui relate cette restitution de prisonnières allemandes, qui a été présentée effectivement dans les journaux comme un acte chevaleresque. On voyait bien qu'il y avait quelque chose un petit peu qui relève de la propagande derrière. Également des articles illustrés avec des photos d'agence de l'époque, des articles de l'époque, et également des témoignages, ce qui ouvre dans des livres, etc., ce qui ouvre d'autres perspectives. On se pose d'autres questions sur ce petit épisode intéressant. L'histoire n'est pas terminée. Alors, quand on dépouille les journaux et les magazines, il faut examiner les articles, mais également la publicité. Par exemple, cette photo-là, on la retrouve dès septembre 1944 pour une publicité d'un appareil photo bien connu à l'époque, de la société Graflex, le Speed Graphic. Exemple 6, une méthode pour rechercher des localisations. Cette photo-là, elle était en localisation inconnue. Comment on procède? Eh bien, on identifie l'unité militaire à l'aide des marquages sur les matériels ou des patchs sur les tenues des soldats. On estime la date. Donc, une fois qu'on a la division, l'unité militaire, on suit le trajet de la division avec Google Street View, jusqu'à temps qu'on retrouve la localisation. Alors évidemment, ça ne marche pas à tous les coups. Dans les zones urbaines, la physionomie a tellement changé que, évidemment, ça ne marche pas. Alors une autre source très intéressante et très importante pour retrouver des localisations comme ça, ce sont les cartes postales anciennes. Donc il faut aller sur les sites de cartes postales anciennes, solliciter l'aide des forums spécialisés, etc. Alors, un bilan documentaire. Depuis fin janvier, les photos ont été vues plus de 7 millions de fois, ce qui correspond à 3000 visites par jour. Je donnais un petit graphique ici pour faire voir un petit peu les variations, et notamment, évidemment, facilement compréhensible, aux alentours du 6 juin, on a un pic assez compréhensible. Plus de 6000 descriptions ont été complétées, corrigées, mises à jour, donc le nombre est plus grand que le nombre de photos, puisque, comme j'ai expliqué, les descriptions peuvent être corrigées plusieurs fois. Alors, autour du projet, nous avons développé des petites études concernant les sujets soumis à la censure, la place des femmes, des soldats noirs. Alors ça, on considère à ce moment-là la collection dans son ensemble. Les représentations différentes des morts et des blessés selon les nationalités, il y a une très grande différence. Les morts américains et les morts allemands ne sont pas représentés du tout de la même façon.
Réexaminer également un autre sujet, c'est réexaminer la production des photojournalistes. Ça, je l'ai un petit peu évoqué à propos de CAPA, mais à propos de CAPA, on a d'autres informations qu'on a obtenues. Collecter les strates différentes des légendes pour les photos qui ont été publiées. Ça, on n'a pas encore vraiment démarré ce sujet-là, mais ça serait très intéressant. Initier de nouvelles recherches et également étudier l'appropriation de la collection, c'est-à-dire quelles sont les créations de mash-up. Alors, je vais illustrer ça par un petit exemple rapidement. À côté de la collection, nous avons développé une galerie d'images, ce qu'on appelle les Zen and Know, c'est-à-dire on met en rapport une image de la collection, une image historique, et puis une photo prise, une photo moderne, quoi. Et on s'est aperçu depuis 2 ans environ que on voit apparaître alors ça porte plusieurs noms, des looking in the past, des past in present, des ghosts, etc., où on fait un démontage de ces deux photos-là, de façon à provoquer un effet, une réflexion sur l'histoire à partir des montages. On sait que ce genre de montage-là a été utilisé à des fins pédagogiques, par exemple. Donc c'est intéressant de les observer, quoi. Alors, autre projet similaire sur Flickr, la librairie du Congrès a mis en ligne sur Flickr un an après nous quand même, 3000 photos. Actuellement, ils en sont à 13 000 photos. Et c'est un projet qui est assez connu, qui s'appelle The Commons, auquel participent 52 institutions, dont malheureusement une seule institution française jusqu'à maintenant. Alors, les tags et les commentaires dans notre projet ne sont pas, ça c'est un petit point que je veux préciser, ne sont pas utilisés sur le mode cumulatif habituel. Quand on pense photo et usage Web 2, on pense souvent folksonomie. Donc, Photo Normandie n'est pas une folksonomie. C'est plutôt, ça correspond en fait à une démarche documentaire et rédactionnelle, à un travail collectif avec un objectif de production. Et donc, Flickr, c'est un outil comme d'autres. Hein. On utilise plein d'outils, les forums, les sites web, Google Street View, on l'a vu. Enfin, c'est juste un outil intégré à d'autres usages du web dans un processus. Donc, je reviens à la redocumentarisation, c'est-à-dire une entreprise qui vise à traiter à nouveau une collection de documents. Et donc, pour terminer, je ne peux pas m'empêcher de citer cette phrase qui termine la petite histoire de la photographie de Walter Benjamin. La légende ne deviendra-t-elle pas l'élément essentiel du cliché ? Je vous remercie.